Bonjour à toutes et bonjour à tous les amis, c'est Wolfegon, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode de Minecraft Genesis qui j'espère sera le dernier. En effet, j'ai découvert la raison pour laquelle je m'endormais, ou plutôt je me réveillais dans le néant. Apparemment c'est dû à une espèce de souci dimensionnel, le fait que je m'endorme dans la Terre des Lions. J'y suis resté trop longtemps, il est temps de changer de dimension. Vous voyez, il y a des chevaux, il y a des zèbres, ça commence à devenir un peu inquiétant tout ça. Toujours est-il que, hors caméra bien sûr, parce que sinon ça aurait pris trop de temps et j'ai pas envie de m'endormir sur place, j'ai construit un portail. Je l'ai allumé et maintenant il est temps de pouvoir, il est temps de visiter en fait le Nether. Avant de se réveiller une dernière fois, dans la Terre des Lions et de quitter la Terre des Lions. Bon bah voilà, on peut dire au revoir à tout ça, hein. De toute façon tout ceci n'existe pas, ce n'est qu'un rêve. Donc on va pouvoir passer par le Nether. Enfin c'est un rêve ma foi fort... fort étrange. Oula. Non, je ne veux pas re-rentrer. Qu'est-ce qui se passe? Ce panneau est une distraction... D'accord. Ce panneau est une distraction, pendant que tu me regardes, ça spawn. J'ai déjà lu ce message quelque part. Bon, c'était quand même beaucoup moins galère pour y aller que la dernière fois. Et on retrouve les deux fameux panneaux qui sont là pour me narguer. Ce panneau est une distraction. Même une distraction. Ouais, distraction. D'accord. Il y a de la musique? Où il est le disque? Et enfin, pendant que tu me regardes, ça spawn. Et là, ça despawn. C'est-à-dire que j'avais fait un petit... Ah non, j'avais fait un pont. Ouais. Bon, j'ai quand même pensé à prendre quelques outils et j'ai également pensé à prendre de la nourriture, hein, faut pas croire. Je pars pas comme ça sans rien. Pendant que tu me regardes, ça spawn. C'est censé vouloir dire quoi? C'est censé m'impressionner ça ou pas? Ouais d'accord. Je suis censé faire quoi là pour l'instant? J'ai oublié de prendre du charbon. C'est du charbon que j'aurais dû aller prendre. Attends, bah tant pis, maintenant que je suis là. De toute façon, ça ne spawn pas dans les coins sombres, dans le Nether. Donc du coup, je continue de creuser. En même temps, je sais pas du tout ce qu'il faut que je fasse. C'est-à-dire que là, je suis arrivé dans un endroit. Je suis dans le Nether. Apparemment, c'est un Nether spécial. Pendant que tu me regardes, ça spawn. D'accord. C'est... Ouais. Mais bon, à part ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse que je... Ah, j'entends du monstre. Alors, je sais pas trop ce qu'il faut que je fasse et s'il faut que je creuse en hauteur également. Faut-il que je creuse partout? Ça va être la grande question. Oh non! On se fiche de moi là, c'est pas possible. Purée. Alors attendez, parce que déjà je vais... Enfin purée, ouais, et je mange une pomme de terre. Ouhou! De la vanne, de la vanne, de la vanne! Je vais manger juste un petit morceau de viande histoire de récupérer, voilà, la vie complète. Pour être sûr de récupérer si jamais je me fais toucher. Et ensuite, j'ai 5 torches. Ouais, je suis heureux d'être venu, ça c'est sûr. Je vais juste m'assurer d'une chose, c'est que vous ayez... Ouais, bah, vous avez la luminosité à fond. Alors moi je vise n'importe où, hein. Oh là! Oups. D'accord, maintenant je sais d'où ça vient. Je sais d'où ça vient maintenant ces trucs. Oh purée! Oui, bah alors c'est des slimes, mais ce sont des slimes de lave, bien sûr. J'aurais dû m'en douter. Qu'est-ce qui se passe? C'est un donjon ou quoi? Alors, bien sûr, on essaie de se débarrasser de tout le petit monde. Ils vont réussir à passer les... D'accord, non, en fait, c'est parce qu'ils tombent, parce qu'ils meurent, d'accord. Je commence à mieux comprendre. Oh là là, mon dieu, c'est un enfer! Mais il y en a 10 000 ou quoi? En même temps, bon, ça se sépare, je devrais le savoir, mais bon. Faut dégager maintenant.
J'ai cassé en fait la Netherrack. Oh! Mais casse! Wow! C'était donc un donjon de slime. Mon dieu, j'ai pas d'armure, mais je suis idiot quoi! Wow! Mais j'ai même pas d'armure et forcément je me fais toucher. Mais c'est ridicule, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hein? Oh non, 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 c'est même pas la peine, c'est même pas la peine, je ne veux pas continuer. Regardez-moi tous ces stacks de dirt, tous ces... D'accord, en fait, ouais, ça c'était la suite de la mission, quoi, en gros. C'est-à-dire que là, j'ai de la glowstone, j'ai du quartz, j'aurais pu vraiment fonder une espèce de civilisation dans le néant. Ouais, mais non. C'est sympa d'avoir plein de matos et tout, mais non, en fait. Mais bon. Et on se retrouve dans le néant. Alors pour vous, ça n'a duré qu'une seconde et vous êtes sûrement en train de vous demander mais comment ça se fait qu'il est de retour dans le néant. C'est tout simple. Il s'est écoulé en fait une nuit complète, dans la vraie vie, hein, je parle, depuis la coupure. Et en fait, je me suis dit, tiens, quitte à affronter des bestioles, je préfère ne pas mourir, même si ça me ferait disparaître de cette dimension, mais je ne sais jamais où je pourrais réatterrir. Donc on va éviter de mourir, parce qu'il faut pas éviter, enfin faut pas oublier non plus que nous sommes en mode hardcore, hein. Donc bon, ce serait quand même sympathique d'éviter de mourir. 14, 15, ça fait ouais 15 lingots, c'est pas mal. Je vais me fabriquer du coup le casque et le plastron pour l'instant. Oh elle m'énerve cette abeille. Elle me gaffe déjà, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Il y a des choses comme ça qui sont injustes. C'est injuste, c'est injuste. Voilà, il n'y a plus rien. Et toi la mouche, boum, voilà. Allez, adieu. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, elles arrivent quand même à s'envoler. Et elles meurent en volant. Regardez-moi ça, comment c'est poétique. Ou pas. J'en suis à 6, j'ai donc de quoi... Bon, largement me faire les bottes. Et maintenant, j'ai besoin d'encore 5 morceaux. Ou plutôt 5 lingots pour me faire le pantalon. On va attendre encore un petit peu. Côté nourriture, il n'y a rien qu'à pousser, forcément. J'imagine que de toute façon, vu que la nuit est passée... Oh purée. Quoi ce bis? D'accord, donc le fantôme est mort. Ça c'est fait. Mais regardez-moi ça, c'est une serre à papillon le truc. Une serre à papillon. Clairement. Bon, tant pis. Alors voyons voir ce qu'on a. Rien d'autre, hein. Il y a juste plein de bestioles qui spawnent. Il y a une vache. La vache, elle va peut-être me donner de la viande. Voilà. Toujours cette prise. Bon, vas-y, écrase donc mon champ. De toute façon, on en a plus rien à faire. Normalement, ça devrait avoir fini. Voilà, carrément. Pour le pantalon. Et le voilà. Et c'est parti. On va pouvoir retourner dans le néant pour essayer d'affronter les bestioles. De façon quand même beaucoup plus convenable. Alors, nous voici de retour dans l'espèce de boîte. Il me semble qu'ici... Non, c'est... Voilà, j'avais commencé à creuser. J'ai commencé à creuser, mais c'est tout, quoi. Donc, on va essayer de se repérer en fonction des bruits. Pour l'instant, j'entends du ghast. Vous devriez l'entendre aussi. Vous m'avez également dit, mais alors je ne sais pas si ça concerne Minecraft Genesis, que les sons du jeu étaient un peu forts. Je vais baisser à 50%, mais ça va vous permettre en fait d'entendre les bruits des monstres. Donc en fait non, pour l'instant je vais me la jouer. Allez, on va se la faire à 80%. Et on verra bien ce que ça donne. Bon alors bien sûr c'est du minage. C'est vraiment de la découverte d'un nether un peu particulier, parce que là on est vraiment enfermé.
Alors, voyons voir ce que nous propose cet univers. Parce que là, je monte, mais je sais pas vraiment où je suis, quoi. C'est ça le problème. Je ne sais pas du tout. Oula. Ah. Là, nous avons un mur d'obsidienne. Alors, on va casser ce qui est derrière. Je pense que ça doit être la limite. Mais comme moi, j'aime bien casser les limites. Puis après tout, je suis dans un rêve. Je peux faire ce que je veux. Oula. Non. Oh, l'arnaque. Ah, la grosse arnaque. En fait, il n'y a rien. Il y a juste encore un mur derrière. Attendez, moi, juste pour le fun, je vais quand même donc casser un nouveau bloc d'obsidienne. Histoire de... Eh, c'est un grand mur, j'ai l'impression que c'est vraiment une délimitation. Donc je devrais, normalement, si tout se passe bien, atteindre... Oh ! D'accord, ouais, bah c'est ce que je disais. Non ! Mais même pas en rêve. Même pas en rêve, mon coco. Vas-y, essaye de me taper. J'ai déjà affronté un orgasme. Hein. Ouais, le problème c'est que... J'arrive pas à lui renvoyer. Ah purée, puis alors celle-là je me la suis prise en pleine tête. Ah purée, j'ai même pas réussi à lui renvoyer. Mais... Pas possible. Comment ça se fait que j'arrive pas à lui renvoyer les... ces boules? Et forcément... Celle que... Oh là là. Voilà. Oh oh, ça pourrait marcher celle-là. Ouais, ça pourrait. J'ai bien dit ça pourrait. Donc en fait, c'est assez drôle. Parce que là, en fait, je suis carrément en dehors des limites. Hein. Vous avez vu cette espèce de gros bloc? Oh là là, la grosse arnaque. Regardez-moi ça. C'est une énorme arnaque. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Bon, ici, je peux pas creuser, ça c'est évident. Et là, on a une... Oh là là, alors attendez, parce que là, en plus, il y a des rats, il y a des... Une espèce de grande colonne. Alors attendez, ce que je vais faire... C'est rester dans la ligne, et on va bien voir ce que ça donne. Donc en fait... Il faudrait que j'aille ici, au niveau du creux qui se trouve juste là. Et je devrais atteindre la colonne de lumière. Donc, on va bien voir ce que ça donne. C'est assez bizarre, hein, quand même. Mais c'est carrément hors, hors des règles. Hein. C'est vraiment, j'ai vraiment l'impression d'être hors limite. Bon, j'attends de toute façon n'importe quel bon moment pour pouvoir me réveiller. Bon, le ghast, en tout cas, lui, ne sert à rien, hein, clairement. On peut se rendre compte que lui, il est juste là pour m'embêter. Normalement, il est censé m'embêter. Mais, bon, j'entends plus vraiment parler de lui, donc tout va bien. Donc, normalement, si je creuse, je devrais tomber sur une... Oh, purée. Ah bah d'accord. C'est le donjon sur lequel... dans lequel j'étais. Classique. Bon, on va... Voilà, on va creuser. On va se refaire encore un petit pont. En évitant d'obstruer le passage par la même occasion. Et on va bien voir ce que ça donne. Donc voilà, hein, il était vraiment temps que Minecraft Genesis s'arrête, je pense, parce que c'est vrai que les tâches en vanilla... j'ai du mal, j'ai du mal. J'ai vraiment besoin de jouer avec autre chose, en fait. Mais là, ça reste intéressant, parce que c'est quelque chose que j'avais encore jamais vu. Alors par contre, je ne sais pas du tout si c'est super loin ou pas, donc on peut limite... essayer de faire un accéléré. Oh, purée! Ah, d'accord. Là, il y a autre chose. Un autre donjon.
Et on remarquera que c'est également un donjon de slime. Ouais, double slime. Des slimes de feu. Des slimes qui ont envie de me faire mal, apparemment. Puis alors là, plus j'en détruis, plus il y en a, forcément. C'est le principe. Donc là, il vaudrait mieux éviter de tomber dedans. Parce que là, c'est un peu comme la mare aux requins. Je vais quand même me nourrir. Ça pourrait être une bonne idée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que la nourriture là, elle est un peu indispensable. Alors ils ont pas tous disparu, hein, faut pas croire. Et ils sont plutôt bien cachés, hein. Hop, ça c'est fait, c'est détruit. Alors, voyons voir ce que nous avons dans ce coffre. Waouh! Ah ouais, quand même. Il y avait quand même des choses. Hein. Il y a du quartz, encore de la glowstone, de la soul sand, encore de la dirt. C'est vrai qu'il y avait vraiment de quoi se fabriquer encore un monde assez gigantesque. Alors, bien sûr, moi, ça ne m'intéresse plus. Donc, je ne vais rien prendre. Mais si vous souhaitez vous rendre vous-même dans le néant et accomplir cette... Oh mince, je me suis bloqué tout seul, dis donc. Accomplir cette quête que je n'ai pas accomplie moi-même, et bah écoutez, faites-vous plaisir, parce que regardez-moi ça, il y a quand même, pour celles et ceux qui n'ont encore jamais expérimenté le Flycraft, donc moi ce que j'appelle le Flycraft, c'est vraiment cette espèce de remise à zéro dans le jeu, avec... D'accord. Donc en fait, non, il n'y a rien, c'est une grosse arnaque le truc. Cette espèce de colonne, en fait, il n'y a rien. Bon, bah je crois que je viens de percer le mystère de cet endroit. C'est qu'en fait, c'était une espèce de gigantesque cube. Enfin bon. Et je suis toujours pas réveillé d'ailleurs, c'est ça qui est assez étrange. Regardez-moi ça, là, il y a encore un donjon. Il y avait un donjon au bout, à mon avis, c'est une espèce de grand cube. Dans lequel... Bon, je vais tomber, c'est pas grave, boum. Ça me permet de retrouver mon chemin plus vite vers le... portail du Nether. C'est une espèce de grand cube dans lequel vous avez des donjons où vous pouvez récupérer plein d'autres outils. Donc voilà, eh ben je pense que nous avons percé le secret du Nether dans... Oh mon dieu, c'est la nuit. Oh, ça tombe vachement bien, ça veut dire qu'il y a moyen de moyenner une petite nuit pour que je me réveille. Et ça pourrait être sympathique. Allez, avec un peu de chance, je me réveille et on oublie toute cette aventure. Hop! Bonne nuit tout le monde et à très bientôt!